l'instant avec une très bonne idée dedans. Donc, voici enfin le livre d'Amandine Delaunay, C'est assez. Donc, Amandine, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était venue à la librairie l'année dernière et au mois de juin, et c'était vraiment formidable. C'est une jeune illustratrice qui, d'habitude, travaille pour l'école des loisirs surtout, qui illustre une collection de petits romans jeunesse sur l'écologie. Et là, en fait, Amandine a participé à une expédition sur le comptage des cétacés, l'observation des cétacés. Et là, non seulement elle a fait les illustrations, voilà, c'est elle qui a fait tout ça, mais elle a aussi fait le texte. Et c'est vraiment, mais formidable. On apprend énormément de choses sur les cétacés, sur le fait qu'ils aient... de la graisse partout pour les protéger, qu'on a retrouvé des choses dans leur estomac et on ne sait même pas d'où ça vient et d'où ça provient. Ils ont sûrement mangé des poissons très profonds dans l'océan qu'on ne connaît pas. Enfin, vraiment des choses extraordinaires. Et vraiment, les illustrations d'Amandine, mais c'est une merveille, une pépite. Franchement, voilà. On va la faire revenir à la librairie. Et même si vous n'y connaissez rien, c'est assez. Franchement, c'est aussi bien pour les plus jeunes que pour les adultes. Enfin, moi, je n'ai pas tout à fait fini de lire, mais j'ai vraiment appris plein de choses. Et puis, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Et c'est un régal pour les yeux. Donc, je vous conseille vivement aux éditions de la Martinière Jeunesse, le livre d'Amandine Delaunay qui s'appelle « C'est assez ». À avoir absolument dans votre bibliothèque. Au revoir.